Quelqu'un qui la connaissait bien. Ouais. Salut Bernard. Ça va? Ouais, et toi? Ça va bien. Et toi qui es sur le grill aujourd'hui, hein? Écoute, j'étais, ça s'est bien, ça s'est pas trop mal passé, donc c'était bien. Ouais. D'un côté, on va pouvoir aller. Ouais, aller on va s'installer. On va s'installer, ouais. Ah, tu as le canard enchaîné que tu portes en bandoulière. Ce ne sont pas des amis qui se retrouvent, mais trois frères. Ils s'appellent Bernard, Henri et François Eichholzer. On a un grand plaisir à se retrouver et on échange beaucoup. Mais en fait, je crois que chacun trace son chemin à sa manière, sans forcément consulter ou demander l'avis des autres. Alors ensuite, c'est le fait d'échanger. Parfois, on a ça donne des idées, des informations. Mais je crois qu'il y a aussi une indépendance de chacun et un choix de chacun dans tel domaine plutôt que dans tel autre. Et le domaine d'Henri ? C'est l'enseignement. Voilà. Existe-t-il une personnalité européenne? On avait vu que le continent européen avait des frontières un peu particulières par rapport à d'autres continents. Et on se demandait, est-ce que les Européens ont des choses particulières? Qu'est-ce qui peut... Il est professeur d'histoire et géographie au lycée Montaigne de Mulhouse. Donc je pense que l'enseignant a un rôle extrêmement important, effectivement, d'ouvrir des fenêtres sur le monde et de développer cet esprit critique. Ça, je pense que c'est essentiel dans sa mission. D'accord, alors tu me la montres tout à l'heure. Bonjour, enlève ta capuche. Alors, son frère cadet Bernard s'est lui aussi dirigé vers l'éducation. Ma vocation première, c'est d'être enseignant. Et ça n'était pas de venir ici, dans le quartier Brossolette. Je m'y suis retrouvé par hasard. Et au début, je ne manque pas de rappeler que j'avais peur. C'était une des seules fois où j'ai eu peur. Je me disais, mais bon sang, où est-ce que j'arrive? Moi, je venais de mon petit village d'Eguisheim. Donc, c'était pas simple. Mais tout de suite, je me suis attaché. Et je serais malheureux comme une pierre si on devait me dire, ben voilà, l'année prochaine, tu iras enseigner je ne sais pas où, quoi. Dans cette école dite difficile, Bernard mène depuis plus de 20 ans un journal scolaire imprimé à 400 exemplaires. On a une exigence de qualité. On peut pas faire, on n'est pas dans le brouillon là. Il faut faire quelque chose de propre et de soigné. Et c'est vrai que souvent on a vraiment que des retours positifs. Et je pense que ça, c'est un projet qui motive les enfants parce que quand j'ai des contacts avec les anciens élèves, l'une des premières choses qu'ils me demandent c'est est-ce que ça continue, etc. Si on se donne à fond, ça va. Mais si on dit on va attendre fin mai pour se mettre au travail, Amaury, par exemple, on n'est pas arrivé. Hein. Il faut se mettre au boulot aujourd'hui et puis se donner de la peine. Il faut penser à l'équipe, il faut penser à l'école. On a une belle équipe. On l'a encore vu samedi. Je l'ai rencontré à Séverin, il a rigolé parce qu'il fallait que j'aille consoler certains adversaires. Parce qu'ils étaient tristes d'avoir perdu contre certaines demoiselles de chez nous. Un de ses autres défis, faire des échecs, une activité périscolaire. Ben, normalement, il y avait quelque chose d'incompatible au départ. À se dire, dans une école difficile comme ça, lancer une activité qui était quand même plutôt réservée à des écoles plus favorisées, disons. C'est vrai que là, c'est maintenant rentré dans la culture de l'école. Les échecs, et ça permet plein de choses positives. Ça leur permet de s'ouvrir à d'autres clubs, à d'autres enfants. Et ça leur permet aussi de rentrer dans un projet avec rigueur, se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. On va déjà s'arrêter à la 7e strophe et on fera le canon après. On travaillera le canon à part, d'accord? Et n'oubliez pas, après la 6e, je plaque un accord. Et pour vous donner la note, comme un enfant, d'accord? John Roms, on se tient correctement, on ne s'appuie pas sur la table. Yanis aussi, hein. On est en position de choriste sur ses appuis correctement. Ça va? Le chant exige tout autant de rigueur. Bernard dirige la chorale de l'école depuis 7 ans.
le chant, c'est super important. Ça permet vraiment une ouverture, ça permet vraiment aussi de fédérer les enfants sur un beau projet. Et c'est la culture, parce qu'on participe toujours au Festival de chant de Mulhouse et on adore y aller. François est le deuxième de la fratrie Eichholzer. Alors, je connaissais l'association Marguerite Sinclair par Lutterbach, où j'étais secrétaire général de la mairie. Hein, et j'avais eu l'occasion de connaître déjà l'association, mais je ne connaissais pas bien le monde du handicap. Mais quand on m'a proposé à 50 ans voilà, d'assurer la direction de l'association, ben, je me suis dit que c'était un nouveau défi à prendre en charge. Et comme c'était aussi un travail éducatif, ben, ça me permettait de revenir aussi à mon métier d'origine, qui était l'animation des mouvements de jeunesse. L'association Sinclair accompagne les personnes en situation de handicap par le travail et l'aide sociale. Alors, travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est d'abord d'être en capacité d'être beaucoup plus attentif, hein, d'avoir une capacité à discerner les progrès hein, des personnes, mais de manière beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble. L'engagement de François ne serait pas complet sans son action politique. Il est adjoint au maire d'Hirtzbach et président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Sungo. Et donc voilà, cette sensibilité, je pense qu'elle a été transmise un peu dans les gènes familiaux, si on peut dire, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, on est tous à des stades différents, ou dans des expériences différentes, mais en tout cas, on essaye de faire avancer, je dirais, une société qui soit plus fraternelle, hein, plus ouverte, et notamment qui donne sa place à tout le monde. Les trois frères, nés dans une fratrie de 6 enfants, placent leur vie sous le signe de l'engagement. Notre père nous emmenait toujours à nous pousser à nous dépasser, quoi. Ça, c'était sa conclusion. Et puis notre mère était là, elle, pour apaiser, pour reprendre, parce que parfois le père était plus, c'était parfois plus difficile. Enfin, il avait des convictions fortes, donc c'était parfois un peu, ça pouvait être conflictuel, ça pouvait être aussi voilà, une exigence forte. Bonjour maman, ça va ? Ça va, je suis contente que tu viennes. Oui, tu te portes bien, oui. Comme toutes les semaines, François rend visite à sa maman. Oui, je suis fière de mes enfants, oui. Je ne pense qu'aucun ne m'ait fait des misères au point où je dois avoir honte ou quelque chose. Au contraire, je suis bien fière d'eux. Fière que ses enfants soient engagés comme l'était son mari Rémi, décédé en 2004. Je pense que c'est surtout par rapport à mon mari, puisque moi, je ne veux pas dire que j'étais dans le roman, mais j'avais à m'occuper des enfants. C'était plutôt mon mari qui était engagé, quoi. Et vous pensez qu'il leur a transmis ça ? Je pense qu'il leur a transmis ça oui, certainement. Alice et Rémi étaient tous deux enseignants et engagés auprès de la jeunesse agricole catholique. Je crois qu'en fait, ce n'était pas tellement des discours, mais c'était que du côté des parents, aussi bien le papa que maman, étaient chacun engagés dans leur espace respectif. Maman s'occupait d'une chorale, et on sentait que ça lui prenait beaucoup de temps. Papa était engagé aussi dans le monde chrétien, mais il ne faisait pas de grands discours. Mais bon, on sentait qu'ils avaient des engagements, que ça leur apportait quelque chose, que ce qu'ils étaient appréciés dans le monde où ils étaient engagés. Et je pense que ça a dû être un exemple aussi intéressant, et surtout la curiosité. On a été élevé, je crois, avec une curiosité pour le monde et une envie d'aller vers les autres. Quand on faisait des voyages à l'étranger, c'est papa qui allait souvent discuter avec les gens, quelle que soit la langue d'ailleurs. Il était capable, avec les mains, de discuter avec un peu tout le monde, et toujours de manière calme, comme ça. Et ça nous a rendu, je crois, curieux et attentifs à ce qui se passe autour de nous. Et donc c'est une des racines de l'engagement, quoi. Mais on est heureux de vous accueillir ce soir autour de la thématique de l'accueil de la différence. Ce soir, Bernard est à la Petite Vigne, lieu d'église, de formation et de réflexion sur des thèmes de société. Mais pour nous, nous qui sommes enseignants ou simplement hommes, la question de l'exemplarité, elle est fondamentale. Donc mes parents, ils ont fait énormément et ils ont été des exemples formidables. Mais qu'est-ce qui le motive ? Ce qui m'aide, c'est le fait de pouvoir reprendre, de pouvoir m'arrêter, de pouvoir relire ce que je vis à la lumière de l'Évangile et à la lumière de ma foi. Ça m'aide à aller de l'avant.
Donc si on pousse le lit comme ça, les prises sont disponibles, quoi. Ouais. Henri installe l'association d'aide aux familles de détenus Oasis dans ses nouveaux locaux à Entisheim. Il en est le président. Et pour lui, l'engagement est un acte de foi. Mais je pense que la foi, ça participe de l'attention aux autres, de l'intérêt, de la curiosité aux autres, et aussi du fait de participer à l'évolution d'une société. Et je pense que c'est lié par ce biais-là, oui. Dieu, je dirais, il a passé alliance avec les hommes et il leur fait entièrement confiance pour construire le monde, quoi. Hein. Donc c'est notre responsabilité à nous de construire le monde, quoi. Et en même temps, il y a cette conviction profonde que l'histoire est toujours ouverte. Hein. Il n'y a jamais, quelles que soient les situations peut-être de précarité, on peut être, quelles que soient les situations de limite ou d'enfermement, on peut être, il y a toujours une porte ouverte. Hein. Et ça, c'est fondamentalement le tombeau ouvert, c'est ça, hein, dans la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une place pour l'avenir. Quoi, hein. Et donc c'est sans Bernard, retenu pour un tournoi d'échecs à Charleville-Mézières, que François et Henri célèbrent la fête des mères. Oui, c'est évident que il y a une relation très forte avec notre mère. Bon, la présence maintenant autour d'elle, alors qu'elle est dans une période plus compliquée de sa vie, où c'est plus elle qui est le moteur. Bon, c'est plutôt elle qui dépend un petit peu des frères et de notre sœur. Mais c'est vrai qu'il y a une reconnaissance implicite qu'on a eu la chance. On a eu la chance de germer dans un milieu favorable qui développait la confiance et ça, c'est quelque chose dont on est effectivement très reconnaissant à nos parents, sans forcément non plus l'exprimer et le répéter à longueur de journée, quoi. Mais c'est plutôt dans l'attitude avec nos mamans qu'on exprime cette reconnaissance par les visites, par les conversations et par l'attention qu'on essaye de lui porter le mieux possible, quoi. Et sur les questions un petit peu qu'on se pose sur qu'est-ce qui est le mieux pour elle dans les temps qui viennent, quoi. Et les réponses ne sont pas toujours simples à trouver. La fratrie sera à nouveau au complet cet été pour le baptême de petits-enfants.